Frank West. Vous allez me coffrer? Possible. Plutôt oui, alors. Ça dépend. De? De votre jeu en équipe. Oh, merde, ça a jamais été mon point fort. On étouffe là-dedans, vous trouvez pas? Un peu d'air frais. Je pensais vraiment que ça marcherait. Bon, eh ben, on dirait que j'ai un peu de temps libre, vous vouliez me parler? Ah, je sais qui vous êtes. Colonel Brad Park, commandant de la ZDC. Je suis bien les actualités sur les zombies. J'en doute pas. Vous savez donc que la ZDC est mandatée pour lutter contre les zombies sur le sol américain. Ouais, en enfermant et en faisant taire ceux qui savent la vérité, je suis déjà au courant, merci. Ça recommence à Willamette. Quoi? Une épidémie. J'ai rien vu aux infos, ça dure depuis combien de temps? 6 semaines à présent. Vraiment? Difficile de faire taire toute une ville aussi longtemps. Pas pour eux. Qui ça? Le Pentagone. Oh merde. Qu'avez-vous vu là-bas? Vous le savez très bien. Personne ne sait, Frank. Si je l'ai appris, c'est parce que quelqu'un a merdé en me filant un rapport confidentiel. Le camp d'entraînement des réservistes? J'ai encore jamais vu qui que ce soit en poste là-bas. Les communications de la ville sont coupées dans les deux sens. Les photos satellites ne sont plus à jour depuis 4 mois. Ils veulent étouffer l'affaire. Mais... le plus mystérieux dans tout ça, c'est que pendant tout ce temps-là, vous, Frank West, vous donnez un putain de cours du soir, au lieu d'avoir 2 longueurs d'avance sur moi. J'ai raccroché. Raccroché? Oui, j'ai raccroché. Vous savez dans combien d'épidémies j'ai été impliqué, combien j'en ai couvertes et ce que j'ai eu en échange? Hein? Que dalle! Pas un merci, pas de fleurs! Rien qu'un carnet de contact, rempli de macabées. 2006, le prix national Headliner. Vous avez révélé la première épidémie sur le sol américain, photo à l'appui. Vous avez reçu des médailles, quelques diplômes. Oui, à titre honoraire. Ouais, et venons-en au fait. 3 semaines plus tard, j'ai tenté de révéler au monde entier l'implication du Pentagone et de tout le gouvernement, mais on m'a démolé! Parce que vous ne disposiez pas des preuves suffisantes. Accompagnez-moi à Willamette. On va révéler cette histoire. Et là, vous irez jusqu'au bout. Frank. Frank, ça ne concerne pas qu'une ville, l'enjeu est bien plus grand. Non. Sans moi. Si vous levez le voile, vous décrochez le gros lot. Il y a des choses à rattraper. Mais en fait, je suis surpris que vous laissiez une amatrice vous voler cette histoire. De quoi est-ce que vous parlez? Là, c'est bien une de vos élèves, non? Oh. Je crois que... Oups. Vic. Sacrée équipe que vous avez là! On approche de Willamette. Envoyez une unité. Capturez les cibles ou tuez-les. Ah.
Debout là-dedans! Quoi? Franck! Franck! Quoi? Debout là-dedans! Vous avez pas fini de dire ça? On a cassé votre hélico. Vous avez l'œil, on m'avait pas menti. Retenez-les, on va voir. Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Dead Rising 4, notre incroyable aventure. Et souvenez-vous, Pork, voilà, Brad Pork était venu nous chercher et voulait nous ramener à Willamette pour une nouvelle affaire évidemment parce que l'état cache quelque chose d'incroyable. On est donc parti pour l'affaire 1, prix cassé. Franck et le directeur Brad Pork arrivent à Willamette où l'épidémie fait rage depuis déjà 6 semaines. Alors il faut savoir que ce Dead Rising 4 se passe 16 ans après les événements du tout premier. Donc là, c'est un retour à Willamette 16 ans plus tard. La situation était redevenue calme et stable. Et c'était reparti en couille. Et voilà, ça fait 6 semaines que l'épidémie a commencé, d'où des petits crashs hein, voilà, d'avions. En tout cas, le jeu est bon pour le moment. J'ai hâte de passer à l'étape open world, voir un petit peu comment ça va se passer, ce qu'ils vont nous proposer. Si, il y a un open world, mais je doute pas. Hein. N'oubliez pas que Dead Rising, c'est avant tout un open world, justement, totalement libre. Attends, faut protéger Brad là, par contre. J'arrive, frérot. Je mets des petits coups de guitare. Ah, c'est en honneur à Fufu. Hein, Ah, qu'est-ce que je peux faire? Une machette, c'est pas mal, je prends. Et un revolver, je prends aussi. Ok. Est-ce qu'on va utiliser tout le revolver tout de suite? Attention, fais gaffe à toi, Brad. Une balle perdue est très vite arrivée. Fais pas le con. Ok, on est bon là. Regardez. Attendez. Hop. Vous êtes prêts? Attends. J'ai besoin de vous. Hop. Voilà, avec Brad. Quoi? Trop loin? Et là? Trop loin? Mais non, qu'est-ce qui se passe? Ah, il va à tout prix analyser, c'est pas grave. C'est pas grave, j'arrive frère. Hop, touchez-le pas les gars. Hop, on découpe. Ah ouais, mais je vous ai dit que j'allais abuser des selfies, hein. C'est terrible, hein. Ok, dépenser de la ferraille contre du matériel chez les marchands. Oh bah, il y a des marchands. Bon, ils sont là, ils sont encore là, en train d'essayer de te vendre des trucs dans le centre commercial. Putain, même avec deux bras en moins, tu résistes. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok, je prends tout, hein. Les gars, max de soins, un petit café. Hop, on va le manger, on va le boire, pardon. Et on prend le baguette. Yes, on va fouiller ceci. Ah, c'est stylé. Ah, oh oui. Oh bébé, ouais. Ok, on peut fouiller les sacs maintenant. Et on sait pas ce qu'il y a dedans. C'est pas mal, ça. Yo, frérot, vas-y, dis-moi tout. Bon, il nous faut un abri. Cet hôtel m'a l'air bien. 3 étoiles, au mieux. Vous faites toujours l'andouille? J'ai intérêt à bien inspecter l'endroit. Bien, retrouvez-moi. Ok, on est parti retrouver Brad. Donc, oh, des gemmes. Des gemmes, ah putain, ça me rappelle tellement Dead Rising 2 où on savait pas s'il fallait dire game ou gemme, c'était terrible. Ok, je commence un petit peu à piger le menu. Ouais, on va garder les feux d'artifice, ça me paraît pas mal. Et puis là, on va prendre quoi? On va prendre les gemmes un petit peu pour voir. Donc, on peut déjà un petit peu tout visiter, c'est plutôt cool. On va profiter, essayer de se mettre bien. Oh, un masque de pingouin. Je peux me le mettre? Ah, je vais le mettre à lui, tiens. Attends. Hop. Ça y est. Je lui ai mis un masque de pingouin. Ok, de l'azote liquide. On va voir un petit peu où ça en est. Ça, je peux pas le jeter, c'est terrible. Hop, on va les découper vite fait, les gars. Ah, l'azote liquide, c'est peut-être pour faire un combo, non? Oh, cocktail Molotov. Molotov, pardon, j'en perds mes mots. C'est terrible. Yes, ça, je prends. Ok, on a du cocktail Molotov, c'est plutôt cool. On fait le tour un petit peu, hein, voir ce qui se passe. Matraque électrique, c'est pas mal ça. Attention à toi quand même. Hop, voilà. Allez, c'est cadeau. Elle a réussi à l'enlever. Oh la vache. Attends, faut que j'arrive à le foutre dehors. Regardez. Ah, il va n'importe où. Hop, cadeau. Les gars, distribution. Des pétards pour tous. Et joyeux Noël, les mecs. Oubliez pas que de l'amour. Oh la vache. Ok, bon, on fait les cons, c'est le moment de déconner pour voir un petit peu ce que ça donne.
On les arrache, tiens. Tu rentres à la maison, là, Fufu. Coup de guitare. Vous me connaissez, hein, dans les aventures, je vais toujours trouver un petit objet, mon objet précieux, comme on dit. Alors, faut que j'aille à un hôtel. Un hôtel qui a l'air sympa. On va passer par là, peut-être. Yo, frérot. On est bon, là? Tu veux que j'aille tout seul? Ok, j'y vais tout seul. J'y vais tout seul. On ne peut pas. Y'a rien. Tu t'es foutu de ma gueule à regarder par là. Ok, on va devoir faire le tour. Ah! Vous entendez? Survivant, les mecs. Ok, c'est bon, ça, s'il y a un survivant dès le début. Attendez, il y avait quelque chose... Oh! Attendez, elle est manipulée. Il y a moyen qu'on fasse une belle photo. Oh, trop stylé. Attendez, il y a moyen qu'on fasse une très belle photo. Ok, moi et mon gars sûr. Attendez. Faut que j'arrive à trouver une bonne gueule. C'est pas mal. Bonne photo, les gars. Ok, rang B. Plutôt cool, plutôt cool. On a déjà eu un rang S dans la toute première vidéo. Donc, on n'est pas vraiment à la recherche. Ah, ça fait des dollars. C'est bon, ça. Il y a un survivant là qui crie sa mère. Elle est pas bien. Elle est pas bien. C'est une femme. C'est une femme de sexe féminin. On va essayer d'aller la sauver. Elle est où? Quelqu'un m'entend? Point américain. Allez, ok, elle est là. J'arrive. J'y vais au point américain, les mecs. Hein. Très bien. Oh! Des zombies suicidaires! J'arrive, ma soeur. Hop, panique pas. Ok. Tuez les zombies pour libérer le survivant. Alors là, par contre, ça va être terrible. Là, ça va être terrible. On y va au point américain. Allez! Hop! Des patates à gauche, à droite. C'est moi qui a égal. C'est long. Hop, voilà. Moi, je fais des one on one. Hop, voilà. C'est beau, ça. Des petites... Oh, les gars, putain, c'est tellement jouissif de mettre des petites patates comme ça, là. Six and a half hours later. Ok. Récompense 2000 PP. Et en plus, un bonus. C'est bon, ça. Je vais pouvoir m'améliorer, les gars. Vous avez gagné un point de talent. On va attendre que la guitare s'arrête. Attends. Et vous savez quoi? On va... Je peux pas m'en débarrasser, l'acheter. Hop, on va la drop. C'est bon, elle vient de mourir. Qu'est-ce que c'est le bruit chelou? J'entends des bruits trop chimiques. Non, j'ai cru qu'elle était déjà morte. Ok, on va tracer les potes. On va passer par là. J'arrive, frérot. Pas de problème. Je suis juste allé aider quelqu'un, c'est normal. Hein. C'est un petit peu mon côté héroïque, hein. On va pas se mytho. Oh, bougez-vous. Voilà. Highlander, ma gueule. Oh putain, quand tu sabres les mecs, c'est propre. Regardez. Ah, je fais de la chirurgie locale. Hein. Je fais de la chirurgie locale plutôt propre. Aucun souci là-dessus. Et on va passer par là. Ah oui, ils ont pas pris le... Ils ont pas pris le pire hôtel. Salut, frère. Désolé, j'ai eu envie d'un samoussa. Un samoussa? Cette mission va être longue. C'est bon, un samoussa. Un bon petit samoussa, les gars. C'est quand même le petit feu. Hein. Ok, alors ça, on va lâcher. Je n'en veux plus. Voilà. Et on va prendre... La machette. Arme de jet. Appuyez sur LB pour effectuer un lancer rapide de votre arme de jet. Maintenez LB pour viser, pour lancer. C'est-à-dire que là, voilà. Ah, merde. Non ! C'est rien, frère. Alors, étonné, non ? Étonnant. Oh, putain. Oh, bébé. Ouais. Un plan. Hey, oh, bébé. Bon, prenez une arme. J'en ai toute une. Oh, bébé. Tu régales de ouf. Ok, le petit plan par terre. Crac. Oh, oui. Oh, l'arbalète. Oh, mamma mia. Ok, ok, ok. Ok, les gars. Arbalète, feu d'artifice, je suppose. C'est parti. Combo. Oh, oui, je fais ça. Oh, ouais, bébé. Le crack. Ok. Sérieux? Oh, je vais me régaler. C'était, je crois que c'était l'arme qu'on avait dans le tuto pendant... Il vous reste une chambre secondes. Avec deux lits. Oh, vous êtes fondard. Vous savez que... Parlons, le malaise. Notre premier client. Comment ça? Vous êtes pas d'ici, je me trompe? Ce bordel a commencé pendant le Black Friday, le lendemain des grandes soldes pour l'ouverture. Vous voulez dire que la galerie était ouverte depuis même pas un jour quand les zombies l'ont détruite? Faut pas rester là. Cette porte mène au couloir de maintenance. Ouais, mais le directeur s'y est enfermé quand il a été mordu. J'essaie de la défoncer depuis un bon moment. Oh, je peux m'en occuper, frérot, hein. Moi, tu me dis... Oh là là, il y a des fusils d'assaut. Oh, je suis pas bien. Oh, ok. Oh, on a des ennuis. Couvrez-moi pendant que j'ouvre cette porte. Ok. Ah! Dégage-toi. Qu'est-ce qu'il y a, ma gueule? Vas-y, venez. Venez, les gars. Couvrez-moi. Ok, c'est des humains, on n'est pas yimbes. Hein. On n'est pas yimbes. On va passer en mode mitraillette. Voilà.
Voilà, ça dégage, on arrose. Hein. On arrose, les gars. On se retient plus. Il me reste 6 balles. Ok, les gars. Boum. Allez, venez, les potes. Venez, les gars. Moi, je rigole. Oh là 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 là. Et dites-moi que le jeu est moche, les mecs. Vous avez vu le nombre de zombies qui est affiché à l'écran? Le nombre de membres qui volent? Tiens, c'est cadeau. Hop. T'en fais ce que tu veux, frérot. Ok, il m'en reste plus que 20. Ça me ferait chier, j'ai quand même envie d'économiser. On va y aller au fusil d'assaut. Voilà, c'est pas mal, ça. Hop. Alors, attendez. J'ai bien envie de prendre une bonbonne de propane. Je sais pas, je crois que j'ai pas de plan encore. Une massue, c'est pas mal ça. Putain, j'ai déjà ras-le-bol de cet endroit. Ok, on les a arrachés. Tiens, prends ça. Yes! Suivez Brad, vas-y frérot. Alors attends, attendez. Dans l'histoire, il y a des cocktails Molotov, il y a une chaise de bureau. Eh, hey, je l'embarque. Hop, au cas où j'ai envie de m'asseoir. Oh merde. C'est toujours bon. T'étais un vrai connard, Ted, mais tu méritais pas ça. Je m'appelle Connor, au fait. Bien, enchanté. J'enquête sur cette épidémie. Vous savez comment ça a commencé? Je sais que ces enculés de soldats gardaient un truc super secret près de l'entrée principale de la galerie. Mais il y avait une journaliste. Quelle journaliste? Elle avait un nom de mec, je sais plus. Vic, elle est où maintenant? Elle s'est planquée un temps dans le centre de sécurité de la galerie. Elle y est peut-être encore. On devrait aller au centre de sécurité. On y trouvera peut-être des armes. Le mec qui parle quand même. C'est un bon plan, mais j'y vais seul. Quoi? Écoutez, cette épidémie est très certainement une sorte de test. Et il doit être organisé par ces enfoirés de soldats. Je dois découvrir pourquoi. Et j'y arriverai pas si un poulet me tient en laisse. Je dis pas ça pour vous offenser. Bon, d'accord. Je vais aller en ville et m'intéresser aux opérations d'aide. Ouais, si vous apprenez un truc, tenez-moi au courant. Ok, oh, ouais. Si j'en ai le temps. Bon, je me tire. Il y a une milice qui se forme à Westridge. Je vais les rejoindre et tuer encore plus de ces cons. A plus! Bonne chance, West. Ok, c'est peut-être pas mal, ça, ce que j'ai trouvé. Bon. Se mettre en sécurité. Un bon scoop bien juteux. C'est fait. Alors, gants de boxe. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas... je peux pas me faire des gants Wolverine. Ce serait pas mal, ça. Ah putain, par contre, ça tue pas, c'est terrible. Ah! Tiens! Dans ta gueule, salope! Oh non! Ok, là on a un problème. On a des gants de MMA. Tiens, hey, gros. Oh oui, ça met des patates, ça. Ça règle. On a des couronnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tellement de choses, les gars. On a une radio portable. C'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf hein, pour faire un meurtre, une radio portable. Je pense qu'il y a mieux. Ok, faut aller par où? Faut aller par là. Trouver le centre de sécurité de la galerie marchande. Terminer deux tours. Ah bah j'ai pas eu le temps de voir. Terminer deux tours avant la fin du temps imparti. De ça? Je peux? Oh oui! Oh ouais! Vas-y! Hop, pardon. Ok, vas-y. On y va! Ouais! Ça, c'est beau! Ok, les gars, je suis chaud. Allez, mec! Mesdames c'est et parti. Messieurs, démarrez votre moteur! Tout dans va la bien! Voiture de tête, Frank West, un photographe adulé et un type fantastique! Wouhouhou! Petit drift pour terminer. C'est normal, toujours se faire plaisir. Oh, y'a un plan. Oh, c'est trop stylé. Le kilowatt. Ok, il faut quoi? Il faut quoi? Attendez, bougez pas, je me suis perdu. Le kilowatt. Alors, on va se faire plaisir. Ok. Il me faut tout ça. Il me faut beaucoup de choses. D'accord, on va rentrer dedans. Bougez pas. J'ai de l'énergie à revendre, hein. J'ai de l'énergie à revendre. Je me suis... C'était quoi la touche là pour faire un combo? Attends, hop, pousse-toi. Oh putain, ça tue pas. J'ai rien vu venir. C'est terrible. Ok, bah vous savez quoi, on va à l'objectif. J'arriverai pas à le modifier tout de suite, je pense. N'hésitez pas à me dire si vous savez en commentaire, les mecs. Keep out. Allez, go, oh, on y va. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... La crédibilité du mec, putain, c'est terrible. Bon. Connor dit que Vic se planque au centre de sécurité. Je dois découvrir ce qu'elle sait. Après, je la ferai dégager de cette ville à coups de pied dans le cul. Prépare-toi à mourir! C'est quoi le problème? Mort de Dieu! Qu'est-ce que c'est? Ne forcez pas à venir en drift, hein, avec un caddie, hein!
Ça va, les gars? Qu'est-ce qui c'est? Qui c'est qu'on cule tout, là? Oh, dégage, toi. Y'a quoi? Il se passe quoi, les gars, là-dedans? Terrible! C'est qui, le méchant? Il est pas trop bien. Les gars, il est pas trop bien, ce qu'il a dit. J'ai envie de faire toute l'aventure avec. Ça y est, je suis amoureux. En plus, il est hybride. Toute option. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Yo, les gars. Vous êtes méchant? Ah ouais. Ah bah, vous êtes mort. Désolé. Désolé. My bad. Je ne pensais pas vous tuer comme ça. Je vais prendre le pistolet. Hop. Merci, frérot. T'as su régaler. Ok, on peut y aller. Bah, je vais laisser le caddie derrière, les mecs. Nique sa mère. C'est quoi ce bordel? Bande de malades! Allez, dégage. Ah, putain, merde, j'aurais pu sauver un mec. Survivant hostile. Ah ouais, vous êtes totalement cinglé. Vous êtes totalement fou. J'aurais peut-être pu le sauver, non? Oh, oh, cette épée. Ah ouais, vous êtes fait éclater, les mecs. Ah bah, désolé. Désolé, je sais que j'aurais pu vous sauver, mais mon temps de réaction est beaucoup trop... Oh, la vache! Damn it! Ok. Allez, les sœurs! Oh là 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 là, mamma mia! Ça, c'est beau, ça. Ok, on est bon. On est bon, les gars, on a pris une photo magnifique. Bon, on va tracer, on n'a rien à faire, à moins qu'au centre, il y ait un plan. Ok, poussez-vous. Des petites patates à gauche, à droite. Bon, allez. Voilà, je vous refais les barbes, je coupe les cheveux aux dames, c'est gratuit. C'est Bibi qui régale. Ok, c'est bon, on va augmenter sa vie hein, plus tard, vous inquiétez pas, les gars. Hop, poussez-vous. Pardon. Voilà. Ah, on a un nouveau caddie, ça c'est bon ça. Ok, qu'est-ce qui se passe? Vic, es-tu là? Donc on est encore un petit peu dans la phase tuto, hein. On n'a pas l'open world complet. Je suppose. Hop, on va sabler tout ça. Allez, ça dégage. Nettoyez le refuge. Récompense. Ah, c'est pas mal en récompense. Je crois qu'il y a des survivants. Il y a quelque chose. Nettoyez le refuge. Il est où le refuge? Oh là. Ok, donc on a Willamette. On a Willamette, le méga complexe, ici. Tout ça, c'est de la ville. Le nord de la ville. Le sud, l'est et l'ouest. Oh là là. Plus là. Un petit bonus, peut-être. À voir. Ça sent le petit bonus, 4 lieux découverts, d'accord. C'est gigantesque. Réellement, c'est gigantesque. Abri d'urgence. Nettoyer le refuge. Je sais pas où est le refuge. Donc on continue. Ma, les patates qu'il lui met. Voix, c'est pour dire que c'est la nuit, les mecs. What? Voix. Mais vous faites trop peur. Voix. On fait quoi? Oh, je vais courir, hein. Je nettoie rien du tout, mon gars, hein. C'est mort. C'est quoi ce délire? Ok, nettoyez les abris d'urgence pour déverrouiller des marchands et pour donner aux survivants que vous rencontrez un lieu où ils seront évidemment en sécurité. Les marchands vendent des marchandises comme des armes, combos ou des cartes en échange de ferraille. En sauvant des survivants, vous augmenterez le niveau de votre abri et améliorez l'inventaire des marchands. Ça, c'est plutôt cool. Du sous-sol, d'accord. D'accord, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, hein. Hop, pardon. Je sais pas si je tue des humains. Ah! What? Ah! Vous êtes trop rapide! Oh là 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 là! Ok, c'est verrouillé, c'est verrouillé. On arrive, les gars. On arrive. Oh putain. Ok, c'est fait. Mission secondaire. Ça sent vraiment pas bon là-dedans. Putain, je gagne énormément de niveau. J'espère que c'est pas Vic. Vous voulez survivre, pas vrai? Ok, marchand de fringues, d'accord. Alors, voilà ce qu'on va faire. Comme chaque nouvel épisode, et comme la tradition le veut depuis Dead Rising 1, 2 et 3, bon, le 1, je le faisais, j'étais jeune, hein, évidemment, j'étais pas encore sur YouTube, on va changer de fringue à chaque nouvel épisode, on va essayer en tout cas, histoire de s'amuser et de se faire plaisir. Mais avant cela, on va localiser la planque de Vic,
Et puis, on va aussi s'augmenter les niveaux. Ça pourrait être sympa. Ok, stay strong. Reste fort. Bien. Hey, j'ai bien, de la bien, marchandise bien. De premier choix. Ah, allez, on va voir quand même ce que tu vends. Bienvenue. Y a pas des trucs bien ridicules, là? Non, c'est trop cher. C'est cher, tes fringues. Je t'ai foutu de ma gueule. Faites attention à vous deux. Prochaine fois, je te découpe. On fait plus jamais ça. Armurier. Attends, tu me plais, par contre. 500 balles, la ventouse. Ah, bat à pointe pour se la jouer Negan. Non, pas mal, ça. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Tout le reste, c'est verrouillé. Niveau de refuge, allez, faut être niveau 4. Filez tuer des zombies. Pas ouf, ce qu'il me propose. Clairement pas ouf. Ok. Ok, en soi, j'ai bien compris. On peut aller voir Vic. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous les avez voilà, tous tués? Elle est depuis longtemps. Sous cocaïne. Vous avez pas vu une journaliste appelée Vic? Oh, si. Si, elle s'est planquée ici pendant un moment. Elle a laissé des affaires. Vous pouvez y jeter un œil? Mais c'est moi! Dites, je vous dois une fière chandelle. Je dirigeais une boutique ici jusqu'à ce que quelqu'un laisse la porte principale ouverte. S'il vous faut un truc, passez-me voir. C'est l'écriture de Vic sur le mur. Ça doit être là. Ok, l'enquête commence. Bon. Je dois inspecter ça de plus près. Peut-être le spectre, non? Ah, yes. Non. Ah. L'entrée principale. Ok. Hop, on repasse en normal pour cette photo. Ah, bah oui, c'est moi, forcément. C'est pas très cool. D'accord. Déverrouillé. Ah, peut-être un petit coup de spectre. Non, 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 non. Il faut le mot de passe. Alors, où trouver le mot de passe, les gars? Peut-être là, non? Merde, elle est pas venue depuis des semaines. Ok, toujours pas là. Autre mode de vision. Oh, la clé! Hop, j'ai pris. Clé zombie safe. D'accord, j'ai pris une clé sans doute d'un futur mag ou une connerie comme ça. Et ça, je suppose que c'est le mot de passe. Regardez-moi ça. Et on va pouvoir déverrouiller. Donc, qu'est-ce que ça c'est cache? C'est du matériel militaire. On dirait que Vic s'en servait pour transférer des rapports. D'accord. Donc, mais elle est chelou, cette Vic, là. Il a débuté à l'entrée principale de la galerie. Et d'après Connor, les paramilitaires gardaient l'entrée. Je vais devoir aller voir ça de plus près. Ok, c'est très étrange. Rejoignez l'entrée de la galerie marchande. D'accord. On va aller voir ça, effectivement, de plus près. Il a soufflé des fois. Ah, c'est qui veut me parler, là? Ok, mise à jour, parler aux survivants. Bah, je vais en parler volontiers. J'ai que ça à foutre, de toute façon. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout, ma sœur. Je vous ai entendu parler. Si vous allez à la porte principale, passez par le parking et allez jusqu'à Medieval Town. Les autres chemins sont tous bloqués depuis l'arrivée des soldats. Faites quand même gaffe. Ces crétins avec les masques à gaz ont bâti une sorte de fort à Medieval Town. Si vous y allez, préparez-vous à vous battre. D'accord. On peut sûrement s'entendre. Ok, remonter à la source de l'épidémie, aller à Medieval Town. Ok, bah pourquoi pas, mais avant ça, on va quand même se up. C'est pas ça, je me suis gouré de touche, hein. C'est pas ça. Hein. Voilà, je pense que c'est plus ceci. On est parti. Arme de compétence. Alors là, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, je dois tout déverrouiller. Donc, au moins, c'est réglé. On va le faire, on n'a pas le choix. Débloque la régénération lente de la vie à un niveau très bas. La vie se régénère uniquement dehors des combats. Hop, on n'a pas trop le choix, hein, les gars. On va devoir tout débloquer. Comme chaque arbre de compétence. Débloque les coups critiques avec les attaques à distance. D'accord, s'applique avec les pistolets. Ok, on prend. Voilà. Et survie, qu'est-ce qu'on a? Les objets au sol peuvent être inclus dans les tentatives de construction. Maintenez B pour combiner des objets de votre inventaire à des objets au sol. Oh, ça c'est sympa ça. Pour faire des combos beaucoup plus rapides. Pas mal ça. Ajoute un emplacement d'inventaire pour les aliments. Donc ça c'est tout ce qui est emplacement d'inventaire. Très bien. Bagarre, résistance, ça c'est tout ce qui est vie. J'ai bien envie de monter la vie, les gars. Augmente la vie de 50 points. Ça paraît pas mal. Hein. L'endurance aussi. Augmente les points de vie restitués par la nourriture. Ok. Et je peux encore m'augmenter? Bon allez, on s'augmente 200. Voilà, on s'est attaqué à la vie pour le moment. On va y aller tranquille dans ce let's play, les mecs. L'important c'est de kiffer jusqu'à Noël et surtout... jusqu'à Resident Evil. Rejoindre Vic!
C'est fait. C'est parti. Alors là, ça risque de partir en couille. Là, les potes, ça risque de partir en couille. Donc, on va aller à Médiéval. Hop, je vais prendre ce kit de soins. Il m'a l'air bien plus intéressant. Ok, on va pas tous les tuer. Pour l'instant, ils vont pas rapporter suffisamment. Oh putain! Ça se présente plutôt mal. Ah oui, mais on est de nuit. Ah, c'est gênant. Hop. Voilà, ça dégage. Aïe! Ah, ça met des patates, ça. Ah, ça met des patates de ouf. Effectuer une attaque de dégagement. On fait quoi? Je cours. Vaut mieux que je cours. Vaut mieux que je cours, les gars. Aïe. Allez. Mais pourquoi tu... Oh, putain. Ok, cours. Cours. Hop. Hop, pardon. Excuse-moi. Excuse-moi, j'avais envie de te mettre un coup de pied. Combat proche. Qu'est-ce que c'est? Je vais me faire bouffer la couenne si je traîne ici trop longtemps. Ok. Ah, putain, merde. 2 hours later. Rien. Mais bon. Alors là, j'ai compris la leçon. Je vais aller me réfugier dans l'abri Fissa. Une couronne électrique, c'est pas ouf. Ok. Je prends quand même. Je prends quand même. On verra ce que ça donne. Par contre, on va essayer de cavale pour pas perdre trop de temps. C'est parti. Quoi? Oh putain, merde. Ça tue tout le monde. Oh, stylé. Allez vous faire foutre. Allez. Hop. Allez. C'est terrible. Allez. Dégagez. Dégage. Coup de poing américain. Oh là là. Les bonnes patates à l'ancienne, là, tu vois. Genre de descente un peu dans le ghetto. Ah, j'ai ma chaise. Oh, la tristesse. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vic Chu a utilisé des terminaux d'Obscuris pour contourner le blocage des communications. Ouais, je crois que je l'ai vu faire. Elle transfère des espèces de rapports. J'ai trouvé le premier. Je vais vous le lire. Ok, Vic Chu, premier jour. Willamette est perdue. Épidémie à grande échelle. Il y a des hordes partout. Des milliers, voire des dizaines de milliers de morts. Ces pourritures de paramilitaires ne sont qu'une pièce du puzzle. C'est le gouvernement qui a fait le coup. Et quand je le prouverai... Quand je démasquerai ceux qui tirent les ficelles... Eh bien... Peut-être que je vais convaincre Monsieur Frank West que le journalisme n'est pas qu'une question de gros sous. Ça date d'il y a un mois environ. Merde! Elle a beaucoup d'avance sur moi. Hop! Là, on est pas mal. Là, on est pas mal, les gars. Ok, y a plus de méchants. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. J'ai cru qu'on allait pas s'en sortir. Y a un plan, c'est nickel. Exactement. Tiens, casque enflammé. Donc... Qu'est-ce qu'il faut? Il faut... Alors, bougez pas, on va regarder ce plan. Masque de Triceratops, d'accord, plus des produits chimiques. Ok, bon, on verra où on le trouve. J'ai un problème. Attendez, j'ai un problème. Tiens, hop. Oh, merde! Lâche-moi la grappe! Hop, cadeau. Allez, hop, ça dégage. Bon! Ma chaise, c'est terrible. Les gars, j'ai les pires armes EU. On est bon. Ah, mais là, les gars... Là, je vois pas du tout... Voilà. Là, je vois pas du tout comment se débarrasser facilement. Eh, descends, merde! Ça fait 2 heures, je te sauve la vie, là! Nickel! Mais oui, mais putain, ils ont des orgasmes pendant que je me casse les couilles. Même pas ça aide, ils s'en battent les couilles. Sérieux. 6 hours later. Ok, putain, on a enfin réussi. J'ai plus de vie, un vrai plaisir. Oh putain, les gars, 8 ans pour sauver quelqu'un. Oh putain, je croyais que c'était un grec. Je croyais qu'elle avait lâché un grec et il y avait écrit grec par terre. Allez, abri d'urgence et galerie. On a du monde en plus, c'est plutôt cool. 7 personnes sur 7, on est niveau 2. Les mecs, je ne suis pas bien. Donc là, me faut des soins. Réellement. Je sais pas à quoi vous pensez. Vous êtes des fous, réellement. Parce que là, sans soin, je ne peux rien faire. Alors, on va essayer de chercher ça. Bougez pas. Ok. S'il vous plaît, un snack, quelque chose. Lunette XXL. Non, c'est pas ce que... Oui, oui. Ok. Waouh.
C'est bon, on est un peu plus tranquille. Y'a pas d'autres snacks. Y'a rien d'autre à prendre là, s'il vous plaît. Là, je t'ai vu. Yes. Allez. Hop, voilà, je te coupe ça, j'en ai rien à foutre. On peut y aller, magasin suivant. En plus, y'a un plan juste à côté. Ah, c'est beaucoup mieux hein, quand les plans sont marqués sur la carte. Ah, c'est pas évident, hein, vraiment, hein, les gars. Le jeu, il est pas facile. Ça revient beaucoup plus à la Dead Rising 1 qui était assez compliqué. Maniaque proche, pardon. Il y a un psychopathe. Oh non, les gars. Qu'est-ce que c'est ? Ok, canon à t-shirt. Je sais pas si c'est méga worse pour me sauver d'un psychopathe. On a des cintres par terre. Putain, mais c'est terrible. C'est terrible. Il y a un psychopathe pas loin. J'ai qu'un fusil d'assaut. La vraie messire. Mais vous êtes sur les terres souveraines de la puissante reine Sandra. Alors maniez-vous de déguerpir. On va les contrarier. Oh non. Tiens, bonjour. Je savais pas que l'association historique des faces de cul était en ville. Qu'est-ce que vous venez de me dire? Ah, c'est ce que je vais te faire si tu me casses les couilles. J'ai besoin de pisser. Eh ben, si la reine Sandra est aussi consanguine qu'elle en a l'air, c'est tout à fait mon type de femme. Ça va se payer. Ta mère était une hyène et ton père sentait des sous de bras. Hé, hey, ouvrez. Je vais aller donner une leçon, vieux con. Ok, premier psychopathe, les gars. Mais... Oh, j'ai un fusil d'assaut, là, ta mère. C'est pas moi le méchant dans l'histoire. Allez, dégage, tu m'as saoulé. Oh, j'ai eu tellement peur. Oh, je l'ai eu. Oh, je l'ai... Oh, lol. Alors, on est nul, miskin. Oh, quoi? Il y en a un autre, là. Allez, ça dégage. Ok. Il y a un plan. Oh, snack. Ouais, bébé. Hop. Je mange. Oh, encore. Mais non, c'est un pistolet ménager, mais t'es fou! En échange de mon crack! C'est terrible! Qu'est-ce que tu nous as fait? Oh! Non! Voilà! L'empêcheur de tourner en... Ok, on va le garder, les gars! Oh, ça va être notre tenue, ça va être notre... Oh, j'aimerais bien... Eh, hey, les gars, le jour où je retrouve une moustache, mamma mia! Ok! Comment sortir avec ça? Assommoir acide, donc produit chimique, plus... Non. Oh ouais! Ah, on va passer ça, hein. Hallebarde, hein, peut-être en plus, hein, pour être encore plus dans le délire. Là, on est beaucoup mieux, là. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Hop, on va échanger la lance. Non, on va la garder. Peut-être le porte-manteau contre la hache de guerre, je pense. Et la batte contre une dague. Voilà, là, on a un petit peu de tout, là, en équipement. On est super bien. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des psychopathes, il y a des méchants. Ah, mais ils sont tous déguisés, miskin! C'est quoi ce combat de merde? Oh, la tristesse! Allez, dégage. Hop, je te pique. Voilà. Hein, des petits coups comme ça. Allez, ça dégage. Ça m'a saoulé. Tu me racontes ta vie. Voilà. Ok. T'es mort, toi. Vous êtes barge, les gars. Ok. Je veux juste le plan. Moi, je veux un max de plans. Oh, c'est bon, ça. Hop. On va partir au fusil d'assaut. Je vais garder mon crack pour de gros événements, bien évidemment. C'est bon. Ah, d'accord, on est dans la partie un peu médiévale. Très bien. Vous êtes juste fous, en fait, messieurs. C'est pour ça qu'on vous a... Oh, quoi? Je suis censé être intimidé par des tarés comme vous. Parce que je suis un peu... Dégagez! Quoi? Ah, quoi? Aïe! Hop! Yo, je peux me relever? Ah, mais quoi? Mais relève-toi! Oh, mais non, c'est mon armure! Oh putain! Allez, tu dégages! Ce serait pas vraiment une apocalypse s'il n'y avait pas quelques barjots! Oh putain, mon armure, c'est le cancer. Les gars, je suis pas yimbe. Des pommes. Ok. Maïs. Va falloir que je me débarrasse de cette armure de merde, réellement. J'ai pris le pire truc ever. Ok, on peut continuer. Qu'est-ce qu'on a? On a un bouclier.
Ah, ça va, je vais pas faire tous les combos non plus, les mecs. Hein. Putain, c'était pas évident. Hein. Pas facile. Hein. Ce début-là, les gars, attention comment il est hard. Hein. Bon, ok, tout est normal. Vic avait l'air de penser que l'épidémie a débuté à l'entrée principale de la galerie. Je vais aller jeter un œil. Ok. Rejoignez l'entrée de la galerie. Donc c'est parti, on va rejoindre l'entrée, les gars. Pour l'instant, on a eu quasi tous les plans qui étaient accessibles, me semble-t-il. Oh, tiens, génial, tout à droite. Et moi qui déteste Noël. Ah, mais non, c'est bien Noël. Arrête un peu, là. Justement, on est dans les thèmes, les gars. C'est ça qui est beau. On en profite, hein. On va massacrer du zombie, parce que dans Resident Evil 7, on va pas pouvoir massacrer du zombie comme ça. Oh, pardon. Et excusez-moi. Poussez-moi, excusez-vous. Je suis où? Hop, c'est par ici. Oh non, mais les mecs, je veux tous les plans. Putain, les gars, abusez pas, s'il vous plaît. Soyez gentils avec moi. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, dégage! Dégage! Mais non! C'est pas vrai! Putain. Ok, c'est bon. Waouh! Un espadron! D'accord, bon, on est face à eux, ça serait bien juste, j'ai besoin de me concentrer. Est-ce qu'il peut arrêter? Allez, ça dégage. Ok, ça dégage, je les ai arrachés. Je les ai découpés comme jamais. Ok, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Hop! Je suis dans la merde! Ok! C'est bon, ça va se passer! Oh putain, mais j'affronte les boss, ça s'arrête plus! Oh mais cette arme est magnifique! Cette arme pour les boss est juste sublimissime. Oh, ma chérie. Ok, j'ai failli me faire découper. Les gars, cette armure, j'en peux plus. J'en peux clairement plus. Je sais pas que, si je vais pouvoir réussir à l'enlever. Ok, que des fusils d'assaut. C'est rassurant. Ça fait plaisir. C'est quoi ça? Un lance-fusée. Je prends. Je prends, ça peut régaler. Ok. J'ai encore du mal avec l'inventaire. Chaque Dead Rising, c'est un inventaire différent. C'est pas évident. Ah, je le veux. Ah, les gars, please. Please. Je le veux. Yes. Fais pas le con. Oh, yes. Impossible. Quoi? Oh, il faut un exosquelette. Oh, vous êtes des salopes. Je parie que j'ai tué tous ceux qui connaissaient le code d'accès. Oh, vous êtes des salopes. Marquez le pavé numérique. Ok, analyseur de spell. Je peux mieux faire. On est bon. Voilà, ouvre-moi ça, frérot. Ouvre-moi ça, ça va, les conneries. J'en viens pas de l'utilité de ce filtre. Entrer dans la quarantaine. D'accord. Non, mais ça, j'en peux plus de ce poisson, putain. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Je sais pas ce qui m'a pris, les gars, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment le pire. Ok, j'ai le plan pour faire une bonbonne ou... Ah, ah, il y a un plan derrière. Je ne l'aurais pas vu. L'inventaire est plein. Mais il y a des... Mais c'est pas... Il y a des plans, cousin? Ah! Quoi? Quoi? Oh, la tristesse! Ok, c'est pas grave, les gars, on y va. C'est terrible, c'est terrible. Yo! Merde, j'hallucine. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Explorer la zone. Enquête. On va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On a commencé un petit peu à zigouiller tout le monde. On a eu une entrée dans l'open world.
Vous inquiétez pas, ça commence à se mettre en place. On va essayer de savoir qu'est-ce que Vic cache et pourquoi il veut à tout prix montrer à tout le monde ce gros désastre. Donc, on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. Je vous fais des bisous. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.